Wanwu, le mont sacré, se trouve à Tiyuan, dans la province du Henan. Il s'agit d'une des 9 montagnes les plus célèbres. Avec une altitude culminant à 1500 mètres, elle couvre une zone de 986 km². Son pic principal, le temple céleste, s'appelle l'arête des montagnes Trairang. Le mont Wanwu est la terre sacrée du taoïsme. Il a, tout au long de l'histoire, attiré de nombreux taoïstes et poètes célèbres. Aux yeux du poète Li Bai de la dynastie Tang, la beauté du mont Wanwu est indéfinissable. La montagne n'est pas qu'un témoin des pouvoirs de la nature, il s'agit aussi d'un témoignage des changements de la terre. En janvier 2011, une équipe de tournage suivait des géologues à la recherche des reliques géologiques du mont Wanwu. La beauté de la montagne attirait beaucoup de visiteurs. En hiver, elle semblait encore plus magnifique. D'après les géologues, les reliques qu'ils recherchaient étaient situées dans le temple céleste. Après un trajet en voiture de 2 heures le long d'une route de montagne venteuse, ils étaient arrivés au pied du temple céleste. Li Yuchang travaille à l'Institut des études géologiques du Henan. Il a beaucoup étudié le mont Wanwu. Li Yuchang affirmait que la surface en pierre du pic du temple céleste est rare. Il s'agit de quartzite. D'après une analyse isotopique, le quartzite s'est formé il y a 2,5 milliards d'années. Il est très difficile pour une roche qui s'est formée 100 millions d'années auparavant de se préserver jusqu'à maintenant. Donc il est extrêmement rare de voir une telle roche sur le temple céleste. Comment a-t-elle été préservée ? Il y a des milliards d'années, la Terre était couverte par l'océan. Environ 2,5 milliards d'années auparavant, des éruptions géologiques violentes ouvraient les fonds océaniques, entraînant par la suite la formation des îles. Au même moment, les volcans du fond marin étaient en activité. En refroidissant, le magma formait une nouvelle roche. La pierre sur le temple céleste s'est formée pendant cette ère. Au milieu du siècle dernier, Zhang Bosheng, un géologue, découvrait la trace de mouvements géologiques à Songshan au Henan. On l'appela donc le mouvement Songyang. Par ailleurs, il se trouve être le plus antérieur des mouvements géologiques enregistrés dans l'histoire. Li Yuchang avait conduit les géologues au-dessus du temple céleste. Sous leurs pieds se trouvaient les reliques géologiques formées pendant le mouvement Songyang. Ce n'est qu'avec un équipement professionnel qu'ils pourraient jouir de la vue. À leur grande surprise, on leur annonçait qu'il y avait des reliques encore plus précieuses au-dessus.
这就是王屋山运动的界面，就绝对不整合面。在这个地方呢，这就是界面，这就是界面。这下边呢是18亿年以前形成的，这个上边呢是14.5亿年以后形成的王屋山运动，这标志这个地质上进入了一个新的地质历史时期。Les roches sous l'intersection se sont formées il y a 1,80 milliard d'années. Une nouvelle activité géologique n'a commencé que 400 millions d'années plus tard. Les dépôts dans l'océan couvraient la couche de roches anciennes.Les roches au-dessus de l'intersection se sont formées il y a 1,45 milliard d'années. Le mouvement du mont Wanwu est le second événement d'activité géologique massive au nord de la Chine après le mouvement de Songyang. On l'appelle le mouvement du mont Wanwu car l'intersection entre les deux mouvements s'est produite sur le mont Wanwu.它不是只要这挖个强烈这个运动了，它是自然的这样升降，这个上下升降为主了。李玉昌 affirmé qu'il était très rare que les débris de pierre des deux mouvements géologiques tombent sur la même montagne. Ce qui était d'autant plus merveilleux était que l'un des mouvements géologiques était 1 milliard d'années antérieur à l'autre. 我们这个王屋山运动呢，它最高处是这样横着的。下面这个陡壁的这个岩石，这是直立，就是松阳运动的不整合面。这两个界面啊，这奇形交汇，地质意义也特别重大，在中国乃至全世界都是罕见的。李玉昌 suggéra la visite d'un autre endroit pour profiter de reliques géologiques encore plus merveilleuses。现在雾蒙蒙看不清楚，这个要是天气好一点啊，这个能够看得清清楚。Il suivait Li en aval. Deux heures plus tard, ils arrivaient à une falaise. Ils pouvaient voir une faille immense. Li disait qu'elle représentait les vestiges géologiques du mont Wanwu.Elle couvre plus d'une centaine de kilomètres. Ici, il y a des choses qui sont des anciens niveaux. Vous voyez, ces choses sont des anciens niveaux. Il y a des choses qui sont des anciens niveaux. Il y a des choses qui sont des anciens niveaux. Ça veut dire que les choses qui sont des anciens niveaux et les choses qui sont des anciens niveaux.Li Yuchang faisait remarquer que les roches anciennes, les pierres de boue et le grès s'étaient mélangés ensemble alors qu'ils s'étaient formés à deux périodes différentes. Les roches mélangées montrent clairement qu'il y avait plus qu'un mouvement géologique dans cette région.遇到这些软岩层，他就把柔层断成泥了。你看这是二叠系那个底部，二叠系底部的这个岩层，底部含一层镁，它煤矿它本来应该成层的嘛，这岩层它都揉到一坨了。Avec pour preuve la pierre de boue et le grès, Li affirmait que la couche de roche ancienne du mont Wanwu avait commencé à se séparer de l'eau de la mer et commencé à sortir de l'eau pour former des montagnes 200 millions d'années auparavant. Les roches du mont Wanwu sont très anciennes. Des dizaines de millions d'années auparavant, le mont Wanwu entrait dans une nouvelle phase d'activité géologique.Avec pour preuve la pierre de boue et le grès, Li affirmait que la couche de roche ancienne du mont Wanwu avait commencé à se séparer de l'eau de la mer et commencé à sortir de l'eau pour former des montagnes 200 millions d'années auparavant.
Les roches du mont Wanwu sont très anciennes. Des dizaines de millions d'années auparavant, le mont Wanwu entrait dans une nouvelle phase d'activité géologique. Une vieille fable de Chine raconte l'histoire de Yukong. Il s'agissait d'un vieil homme qui vivait sur le mont Wanwu. Les monts Taihang et Wanwu en face de sa maison bloquaient son chemin. Donc il décida de creuser les montagnes avec une pelle. Ici, une statue a été érigée en son honneur. Ils arrivaient sur la route et Li parlait de la montagne en face avec enthousiasme. La montagne mesure 1000 mètres de long et 700 à 800 mètres d'altitude. Le sommet de la montagne est plat. Des fermiers peuvent y planter des cultures. D'après la légende, les enfants de Yukong ont creusé la terre et planté des rizières au sommet. Pour le prouver, Li les emmena à un endroit non loin de là. Ils virent alors une immense côte en terrasse. D'après la légende, les terrasses auraient aussi été construites par les enfants de Yukong. En se rapprochant de cette terrasse, ils s'aperçurent qu'elle était escarpée. Elle était couverte de pierres. Ils ne comprenaient pas comment des fermiers auraient pu planter des cultures ici. Li expliquait qu'il ne s'agissait pas d'une terrasse du tout. Géologiquement parlant, il s'agit d'un banc. Il a été soulevé pendant le mouvement géologique. Mais alors, comment le lit de la rivière a-t-il été soulevé aussi haut? Li affirmait que même si les montagnes de la croûte terrestre ont joué un rôle dans la formation du pic des montagnes, son sommet plat n'existait pas jadis. Le sommet n'était pas régulier à l'époque. Avec l'altération du vent et des pluies, le sol s'est homogénéisé. Des mouvements géologiques l'ont élevé à une altitude de plus en plus importante. C'est le pic que nous pouvons admirer aujourd'hui. L'étude montre que le mont Wanwu était souvent soulevé par l'activité géologique pendant une courte période. Mais d'où provenait cette activité géologique ? Il y a 60 millions d'années, le mouvement orogénique de l'Himalaya a beaucoup changé la forme de la Chine, dont le mont Wanwu.
La strate ancienne du mont Wanwu a été compressée par les mouvements géologiques et s'est élevée vers le ciel. Le banc et les surfaces d'aplanissement étaient les preuves de ces mouvements. Le fleuve jaune commence son trajet par le nord de la cordillère de Banyahar. Il passe ensuite par le plateau de l'Est vers le mont Wanwu. Ils prirent le bateau pour la gorge du Bali, sur le mont Wanwu, et furent émus par la vue magnifique. Li leur raconta une autre légende sur la gorge. Bien que ce ne soit qu'une légende, il y avait des similarités avec les faits dans la formation de la gorge du Bali. Wang Shouchun est âgé de 71 ans. Il est professeur à l'Institut de recherche des sciences géographiques et des ressources naturelles à l'Académie des sciences de Chine. Il a prouvé que le mont Wanwu a bel et bien bloqué le flot du fleuve jaune. Par conséquent, un lac s'est formé parce que l'eau du fleuve s'est accumulée dans la zone actuelle de la gorge Sanmen. Quand le fleuve jaune a-t-il percé le mont Wanwu et comment a-t-il fait? Li découvrait les réponses sur une colline près du mont Wanwu. Ils suivirent Li sur la montagne à 800 mètres de hauteur. En arrivant, ils virent les hautes montagnes au sud et les collines au nord. Les collines du nord étaient faites de grès tandis que les montagnes au sud étaient en calcaire. L'intersection entre elles s'étend de l'est à l'ouest. C'est le point critique qui révèle le secret de la formation du cours du fleuve jaune. Il était facile de trouver la rupture à l'intersection des deux types de roches à partir de mouvements géologiques.这两面岩石，你看这是早古生代的石灰岩，绿色片，但是上面的看得很清楚，那个浅黄色的，那是二叠系的砂质泥岩，砂质岩，砂质泥岩，属于不同时代的地层，这样接触，这是断层的最主要标志，它有时代差，为啥堆在一起了？哎，断层了。 Quand la faille et la formation d'un cours d'eau se sont-elles produites? Ils suivirent Li jusqu'au fleuve jaune et découvrirent les signes de grottes effondrées et de chutes de pierre. Li affirmait que c'était une preuve typique de l'érosion de la rivière, car le calcaire s'est dissous dans l'eau. Ils trouvèrent aussi des cavernes au sommet du pic. Mais ils ne comprenaient pas comment le fleuve jaune avait pu passer à travers le sommet du pic.
Li expliquait qu'avant, la montagne était à peine plus haute que la rivière. Avec l'élévation du mont Wanwu, le fleuve jaune a baissé de niveau. Il aura fallu des millions d'années pour que la montagne atteigne cette altitude. Dans les temps anciens, le mont Wanwu et le mont Taimei étaient connectés. Les mouvements géologiques ont fait s'élever les montagnes progressivement. Ce phénomène a bloqué le cours du fleuve jaune. Toutefois, le mont Wanwu et le mont Taimei se sont séparés à cause de leur structure géologique. L'eau du lac Sanmen coulait vers l'est. Les montagnes s'élevaient par la suite et le cours d'eau s'élargissait de plus en plus. La formation du fleuve jaune est claire comme l'eau de roche. L'histoire que nous allons vous raconter remonte à un après-midi de mars 1951, quand Cao Lanying, une habitante de la ville de Yongchang, dans la province du Henan, faisait une sieste après avoir mangé. Cao Lanying s'assit et se leva soudain. Pendant qu'elle se reposait, elle avait vu des ombres étranges sur le mur face à elle. Les silhouettes changeaient constamment de forme, de couleur, de taille. Elle prit peur et s'enfuit de la pièce en criant. Qu'avait-elle vu ? La pauvre femme n'osait plus retourner dans la pièce sans son mari. Cette chose se trouvait dans leur chambre d'à peine 10 mètres carrés. Les ombres apparaissaient sur le mur qui séparait la chambre du salon. La pièce était sombre. À la lueur d'une bougie, le couple inspectait le mur avec attention, mais il ne trouvait rien d'inhabituel. Le mari se moquait de sa femme car il pensait qu'elle avait tout simplement eu des troubles de la vision. Toutefois, le lendemain matin, c'est lui qui fut stupéfait en se réveillant. Les silhouettes étaient réapparues bien que quelque peu différentes cette fois-ci. Elles étaient plus difficilement perceptibles et s'évanouissaient de temps en temps. Les formes bougeaient, se tordaient, changeaient de couleur. Ces ombres étranges terrifiaient la famille. Ils vérifièrent la bâtisse les jours suivants mais ne trouvaient rien. Ils s'imaginaient que cette vieille maison renfermait un terrible secret. Les jours suivants, les silhouettes s'agitaient de plus en plus. La famille Chen fouillait la maison plusieurs fois et comparait le mur avec ceux de leurs voisins, mais ils ne parvenaient pas à trouver d'où les silhouettes provenaient. Cao Lanying se disait que les ombres devaient être projetées par une source de lumière. Mais son mari n'était pas d'accord. Les fenêtres étaient fermées, il n'y avait qu'un petit rayon de soleil dans la pièce et de plus, il n'y avait aucun miroir qui puisse réfléchir une quelconque lumière. Donc il ne pouvait pas s'agir de silhouettes de quoi que ce soit dans la pièce ou dans le jardin. Les ombres inquiétaient la famille Chen. Personne ne savait combien de temps les silhouettes allaient rester sur le mur. Quelques années plus tard, Cao Lanying fit une nouvelle découverte. Cao Lanying entendait aussi des sons familiers. Il concordait avec les actions de l'homme. Elle chercha l'origine du son et remarqua un trou dans un mur.
Ce trou était fait de manière intentionnelle car la tradition locale veut qu'il y ait un ou plusieurs trous dans un mur pour aérer la maison. En regardant à travers l'orifice, Cao Lan Ying fut stupéfaite. Cao Lan Ying sortit de chez elle et vit un homme en maillot rouge. Il s'agissait de la même personne qu'elle voyait sur le mur. Ne s'agissait-il finalement que d'un effet sténopé ? Les gens du village n'y croyaient pas. Au début de 2008, des professeurs de l'établissement de formation professionnelle de Yongchang rendirent visite au Chen. Le professeur Chen tenait un panneau blanc et le fit aller et venir le long du faisceau de lumière en provenance du trou. L'image sur le panneau changeait constamment. Une heure plus tard, ils arrivèrent à une conclusion. Ils ont fait un peu de temps.